Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation. Oui, on avait notre baraque et on avait réussi, enfin on avait réussi, on avait enfin nos mannequins qui ont été fabriqués, on a nos mannequins ouais, qui ont été fabriqués. Et donc nos soldats qui peuvent s'entraîner dessus, ça tombe bien, j'en ai quelques-uns qui sont blessés. Et il va falloir les entraîner, parce que si on les envoie alors qu'ils sont blessés, ils risquent de ne pas revenir, les pauvres. Donc on va les entraîner. Nos objectifs. Oh oui, j'avais fait une ferme. Parce qu'au niveau du pain et au niveau du moulin, ça tournait pas assez. Pas d'accès au divertissement. Pénurie de divertissement. Mais c'est quoi ça? Allez, on va peut-être en faire leur divertissement parce que bon, au bout d'un moment, ils commencent à pas être content. Statue, oh, tu veux y... On va voir qu'est-ce qu'ils veulent en divertissement. Du vin, de la mixture de baies et de la bière. Eh, j'en ai de la mixture de baies à vendre. Ah bah non. Ah bah non, en fait j'en fabrique mais je la vends pas. Ouais, bon, j'ai peut-être légèrement oublié quoi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Attendez, on va s'arranger. Hop, et ici c'est un peu de bouffe à vendre. Ouais, oui, oh, vous savez, hein. Ça arrive d'oublier, hein. C'est normal, hein. C'est humain. Hein. On fait des erreurs, quoi. Oups. Hop là, un nouvel arrivant. Voilà, les 120e et après. Je pense pas avoir besoin d'énormément plus d'habitants pour l'instant. Peut-être plus tard. Hop, étal de marché, on va y assigner. Je peux pas la vendre, la mixture de B, c'est quoi ce délire? Je crée de la mixture de B, mais je peux pas la vendre. Ah? Non mais oui, enfin... Oh, ce sont des choses qui arrivent. Oh là là. Faut pas s'arrêter sur des détails comme ça. C'est. Ça sert à rien. Oui, bon. Non, mais voilà, c'est. On n'a rien vu, quoi. Au moins. Ma fréquentation. Ah oui, c'est simultanément. Ok. Ça peut peut-être valoir le coup de l'agrandir, non? Oui, j'ai pas fait votre porte là. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ce sont des roturiers en plus que je dois recruter. Aïe aïe aïe. Avec tout ça là, avec ma consommation de baies, est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais être obligé d'acheter un terrain? Oh, vous me permettez pas d'acheter celui-là, c'est pas gentil. C'est pas bien grave. Voyons voir. Est-ce que je peux débloquer des choses? Si oui, quoi?
Ah ouais, le monastère, on verra ça plus tard. Ah, je peux débloquer ça et ça? Ça pourra m'aider, hein. J'ai débloqué des choses, voyons voir. Ciment en construction libre. Quartier de pierre, ouais, galerie. Des escaliers, une cheminée. Bon, rien de bien important. Juste un agrandissement, quoi. Un désagrandissement. Pas très très intéressant au niveau du tiers état. Oh, bon, là, je vais en avoir. Aimant architecture raffinée pour taverne. Jardin d'ordure en collectant des taxes auprès de vos villageois. Ouais, ça, je vais peut-être devoir au bout d'un moment. Mur taverne, ouais, tout ce qui fait taverne et bureau des impôts. Voyons voir, qu'est-ce que ça m'a débloqué? Oh. Oh, en effet. Par contre, c'est pas le même prix d'entretien. Clairement pas le même prix en entretien. Passerelle, pourquoi j'ai oublié le L? Balcon, fenêtre, barre en métal. Ouais. Bon, bah, pas grand-chose d'intéressant. C'est encore blessé? C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? Ils sont quand même pas blessés à l'entraînement, c'est couillon. Il me dira. Bien possible. Wow, 150 pour débloquer, ah oui. Comptoir de service construit. Construit, bah, il me faut d'autres roturiers. Apprendre des sans-emploi. Pardon? Et on va les faire travailler direct. Hein. Ils ont de la chance. Hein. Ils passent de serf sans emploi à roturier tavernier. Attends, attendez, faut que je fasse un truc. Bouvi. Je vais te renommer, toi. Je vais te revenir en la taverne du Spartiate. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaîne YouTube. Une personne qui fait du contenu, ça soit du Rome de Total War, Napoléon Total War. Ah, juste, comment s'appelle ce truc déjà là? Ah, voilà, il fait pas mal de contenu très sympa. Et bon, bah, c'était obligé, hein, tavernier, là, la taverne du Spartiate. Je suis obligé de. Je suis obligé de la renommer comme ça, hein, la taverne du Spartiate. Ah, c'est la taverne du Spartiate qui appartient à la taverne du Spartiate. Et ouais, j'étais obligé hein, un petit peu quand même. Voilà, petite référence. Allez voir sa chaîne hein, si jamais. C'est toujours. C'est quoi l'expression? On n'est jamais déçu, voilà. Ouais. Hop. Excusez-moi. Ou alors, veuillez m'excuser. Oh, oula. Attends, je suis en train de me dire, et ils m'aiment vraiment pas, eux. Clergé. Et même pas du tout. Non mais ça ira mieux quand j'aurai commencé, quand j'aurai débloqué là, le terrain qui va là et que j'aurai fait, que j'aurai commencé le monastère. Tiens d'ailleurs, est-ce que je peux faire un pont de suite? Même un pont pourri, hein, je m'en fous. Yes. Alors, il y a un délire avec les ponts. C'est que c'est un peu chelou leur pont là dans le jeu. Vous voyez quand je vous dis que c'est chelou leur pont là. C'est dégueulasse. Ouais, on va en faire un, on va en faire un. Il m'a l'air correct, hein. Voilà, on va faire un petit pont ici. Hop là. Ouais, il touche des deux côtés. 60 planches.
Ça va, j'ai ce qu'il faut. Et on aura accès à la petite île en face. Bon, c'est pas à côté, hein. Et clairement pas la porte à côté, mais franchement, là, une île entière. Ah oui, on est passé de l'autre côté de la map. Pour les moines. Ouh, aglou, aglou. Ouh, la balie. On peut pas passer en dessous, quel dommage. Je voulais prendre un petit bain avec la caméra, mais là. Mais elle a dit non. Oula, oula. Et... Ah oui, ça avait changé la vue. Voilà, ça va se construire tranquillement. Un marchand approche de votre village. Comme veux-tu, marchand? Que veux-tu me vendre? Ou m'acheter au choix? M'acheter, c'est mieux. Je ne sais pas vraiment. Blé pour le prévôt. Ah ouais, c'est clair que je vais t'en donner du blé. Hein. Mais 150, non, bah non, enfin, j'ai pas de blé, j'ai pas de blé, vraiment. Est-ce que j'ai une... Voilà. Je vais redessiner un peu les champs à culture, là. Tout ça, pas besoin. Tout ça non plus, et ici non plus, voilà, ça devrait être bon. Là, on a eu un peu de livraison de bois. Oui, oh, on a la moitié. Hein. La moitié était livrée. Mais c'est toujours long à faire, les ponts. Sauf s'il est juste à côté de votre village, mais bon, là. Ouais, je vais recruter quelques villageois. J'en avais plus beaucoup en sans emploi. Non, mais ils sont encore blessés. Mais faut vous réparer, les mecs, un peu. Alors, vous réparez. Non, mais est-ce qu'ils ont. Si je me souviens bien, il y avait un bâtiment pour se reposer. Il y avait un truc, un jardin pour se reposer, machin, mais là il n'y est pas le jardin, donc. Donc ça va pas être possible, ils vont pas pouvoir se reposer sans le jardin, quoi. Mais alors ils se dire ils vont rester blessés. On a le chemin ouais, qui commence à se tracer, c'est bien. Toujours zéro blé. Hein. J'ai un peu de pain, heureusement. Et les baies, ça baisse bien. Les baies, j'en ai de moins en moins. C'est bien ce que je pensais. J'en ai ici, mais c'est pas bon. Ouais, la boulangerie qui dit qu'il manque de baies, de blé. Ça m'aurait étonné. Le bailli. Tu vas prospecter. Il reste plus que deux mines potentielles à prospecter. Ah ouais, d'accord, lui il a prospecté là-bas. Yes. Donc du fer, de l'or et du fer. Ok. Et il a prospecté là par hasard. Il a pas. Ah si, de la pierre. Oh bah yes. Trop bien. Oh. Trop trop bien. Ouais. Ah ouais. Aucune ressource extraire. Ah, vous avez pas buté tous les sangliers quand même? Ce serait un peu abusé. Oh, l'entretien il coûte cher. Alors ça me fait de la splendeur, hein, mais l'entretien. L'entretien il pique. Il me faut absolument la béquille là.
Alors, Basilus, ça donne quoi? Bon, ça donne, tu vas crever la dalle, toi. En même temps, t'es en mandat, donc. Et le pont, ça donne quoi? Ah, le pont avance bien. Le pont avance très bien même. Le pain, il est consommé à une vitesse. Ah, j'ai un blessé en moins, ça c'est bien. J'ai même mis 100 pour le pain. Ouais. Oh, le marbre, il se vend cher. Là, dès que j'ai, si j'ai une mine de marbre, ça va avoir le coup, hein. 5. 5 pièces d'or pour un marbre. Il n'y a pas grand-chose plus cher du vin. Ouais, mais du vin, faut le travailler. Ah, le miel qui peut être cher. Des bougies, des lingots d'or. Ouais, ça serait bien si je pouvais m'occuper de toute cette partie là-bas. Mais si je me trompe pas, j'ai pas encore débloqué. Ouais. Production de bière. Ah ouais, mais il me faut du houblon. Je suis pas à la place. Produit un charbon à l'aide de bois. Ah oui, c'est ça. Produit un de fer à l'aide de charbon et minerai de fer. Ah oui, c'est ça le truc. Voici 60 outils pour de la bière. Je les achète cher, les outils. Très cher. Allez, on va débloquer. Ouais, mais là, j'ai rien. Ah oui, mais attends, surtout que si j'ai pas de fer ici, ça sert à rien. Que si j'ai pas de fer là, je suis obligé d'aller débloquer tout là-bas. Oh. Pont en bois construit, ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, le truc, c'est que si je passe par là. J'ai du fer et de l'or là, ça veut dire que. En théorie, je suis censé avoir du marbre, au moins du marbre là. Ou alors, j'aurais pas toutes les ressources, et alors là, ce serait catastrophique. Si j'ai pas toutes les ressources. Et oui, il me faut de quoi faire du verre aussi. Non, c'est avec le quartz. Ah oui, c'est ça, bah, il me faudra du quartz. Donc là, en théorie, je suis censé avoir du quartz et du marbre sur les deux qui restent. Hein. J'espère. Parce que sinon. Ah non, attends, j'en ai encore là. Oh la vache. Ah ouais, il y en a encore là-bas. Ouais, bah en fonction. Le mieux, ce serait que j'avance par ici et que je fasse des zones de récolte encore. Eh, j'ai pas de puits ici, je suis en train de me dire. Là, s'ils veulent boire, ils sont obligés d'aller. Oh là là. Terrible ça. Attendez les mecs, fallait demander, je vais vous faire un puits. Hein. On va faire là un bon puits. Hein. Je vais zapper ça. Bon, de matière première, toujours le même endroit. Ah, le mini truc là, le mini bout de terrain,
tout nul. Oh. Là, c'est que sur dépôt de minerais. On va prendre ces deux-là. Hélas, je n'ai pas trop le choix. On va faire un campement de bûcherons. Je vais le faire en plein milieu là et je vais leur dire de bien couper, bien raser cette forêt. Je n'ai pas besoin de bois, du bois d'ici du moins. Hop, on va mettre ça au max. Voilà. Vous voyez, il y a découvert, hein. Gisement d'or. Bah merde. Pardon. Bah, tu vas pouvoir y retourner, hein. Encore un dernier gisement, là. Hop. Bon, moins de l'or, c'est toujours ça de prix, hein. Ça se vendra. Donc ça fait des pierres, de l'or, etc. Bah on va construire le reste. Enfin, on va au moins préparer la construction du reste. Donc là, j'ai deux cabanes pour la récolte. Hop, construire, construire. Ici, je vais faire des zones résidentielles. Là, tout là. Grosso modo, ça va être la taille de la forêt, tout ça. Là, je veux que ce soit une zone résidentielle. Là, ce sera une zone de travail. C'est quoi? Voilà. On va faire tout ce dont ils ont besoin, les besoins sommaires. Donc un puits, la bouffe et des vêtements, le marché, il est où? Ah, yeah. Merde, je vois plus mon puits. Il est là mon puits. Étal de marché, donc nourriture, marchandises. Mars 110, c'est en bleu. Hein. Ok. Ah, j'ai mis le campement de bûcheron bien en milieu. Hein. Ouais, mais il disparaîtra ce campement de bûcheron, c'est pas très très grave. Un émissaire demande une audience. Célébrer le tiers-état, les aînés voudraient que tu accueilles une foire régionale. C'est l'occasion d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales en célébrant le fruit du dur labeur. Assure-toi que l'ambiance reste bonne. Et ton peuple fera le reste. Donc il me faut un bonheur à 75. Ouais, c'est bon. Que ça a augmenté le blé un petit peu, ouais. Le moulin tourne déjà, c'est bien. Et tout le monde est en forme, formé partiellement, entièrement, partiellement. Bon, les deux qui étaient blessés sont formés partiellement. Chasser les vermines.
Facile, chasser les vermines. Proche. On va les envoyer, hein. Rien de tel que de l'entraînement. Pour s'améliorer. Ça. Super. Et. Ah, il n'est pas fini. On va attendre qu'il soit fini. Ouais, c'est pas la porte à côté pour construire, hein, c'est l'inconvénient. Il y en a qui ont mis leur maison déjà. Ils veulent habiter dans le coin. C'est bien. Ah, je manque un peu de blé. La rotation se fait mal. Là, tout ce temps-là, je pourrais avoir du... Bah, le moulin qui fonctionne et faire et fait de la, et qui pourrait faire de la farine, mais non. Non, 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 non. Là, ça construit, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien, là. Je pourrais même déplacer les mines de pierre. Ce que je ferais, je pense. Hein. Ah, c'est quand même marrant, là. C'est un gros bazar ici de passage. C'est, on va dire, un petit peu le nerf de mon village, ça. Les visiteurs ravis. Bonus vie villageois de 15%, bien. Nourriture? Comment ça, nourriture? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai de la viande en plus ou pas? Mixture de baie. Ah, c'est limite niveau viande. Hein? On va voir. Au pire, j'agrandirai. Là, je ferai une énorme zone de chasse. Hop, on va construire le marché. Pas d'accès à la nourriture. Ils en vendent tous. Hein? Mais poisson, viande, bah attends, pain, mais. Bah pourquoi? Bah ils sont tous en train de glander? Comment ça se passe? D'accord, donc pendant un moment, ça a touché la nouille, quoi, j'ai envie de dire. M'excuserai. Hein. Passer l'expression, mais. J'ai pas assez d'étal, c'est ça? Et un besoin de plus? Ah oui, ça part comme. Oui, ça part vite. Oh, ça part vraiment vite. Ah ouais. Oh. Là, le poisson. Vous voyez que le poisson, hein, ça. D'ailleurs, du poisson, j'en ai de moins en moins. On va agrandir la production de poisson. Oh la vache. Faire 3 supplémentaires, ça devrait être pas mal. Et 3. Voilà. Voilà, on va presque doubler la production de poissons. Parce que là, on avait près des 300 et là, on a beaucoup, beaucoup moins là, d'un coup. Bon, ça explique pas pourquoi j'ai zéro pain. Hein? Ça explique pas pourquoi la viande, le pain et la baie, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Ça y est, le pain enfin. Poisson, on n'en a plus. Ça galère hein, au rapprovisionnement, c'est fou.
Ah, du marbre, très bien. Très très bien ça. Mais écoute, on va en extraire parce que le marbre, ça vaut cher. Donc on va préparer les carrières. Ça rime, hein? Alors, un ici. Un ici. C'est quoi? C'est de la déco, ça? Ah oui, une grue, ça c'est pour stocker, ça. Hop, donc juste en face. Charrier ressources nécessaires à construction, ça sert à quoi? Petit élément. Décoration du monument. Bah allez, on va décorer, là, je vais remettre le... Juste à côté, et hop, là on va décorer. Voilà, une mine de marbre. Et une mine d'or, de toute façon ce sera vendu. On rendra notre production dans un premier temps. Le reste... On s'en fiche. Hop là. Cabane du pêcheur construite. Cabane du pêcheur construite. Oup, 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 oup. Voilà. Et cabane du pêcheur, pas encore construite. Eldag, il arrive. Il ou elle. Je sais pas. Et on pourra rentabiliser un petit peu nos mines. Voilà. Voilà, ça commence à s'agrandir tout ça. Bon allez, c'est ici que je vais vous laisser pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Bah, je vous propose de me retrouver lors du prochain épisode pour l'extraction de l'or et du marbre. Je vous dis à très bientôt, c'était Tiob. Allez, ciao.